Alors bonsoir à tous, bienvenue sur ce premier live des anomalies archéologiques et historiques. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. Bon, alors moi, je vais rapidement présenter avec Laurent, notre premier invité qui est Grégory, donc de la chaîne Tiki Viracocha sur YouTube et bien sûr aussi un blog Axe Cosmique. Donc le groupe H, il est sur Facebook, hein. Donc c'est notre premier live. Donc on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Bonsoir Laurent, bonsoir Grégory. Bonsoir Joël. Bonsoir Joël, bonsoir Laurent, bonsoir le chat. Bonsoir à tous. Donc, alors ceux qui veulent s'abonner, ben, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce qu'on fera plusieurs lives hein, dans le futur. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et puis des commentaires ou des questions si vous en avez au cours de l'émission. Donc ce soir, on va présenter le Machu Picchu et quoi de mieux que de présenter le Machu Picchu avec deux personnes qui ont vraiment été. Moi, je n'ai pas été, donc on écoutera Laurent et Grégory qui vont nous parler du site, on va dire, de façon un peu différente de ce qu'on entend d'habitude hein, au niveau historique. Alors, il n'y a pas non plus une grande remise en cause sur la période Inca, ça, il n'y a pas de souci. Mais on va un petit peu regarder les vestiges et puis on va un petit peu comparer ça par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Voilà. Donc, le groupe H, c'est un groupe sur Facebook qui a plus de 1000 abonnés. Donc, ce groupe, il intègre des passionnés, des gens qui aiment les sites sacrés, se promener dans France ou dans le monde entier. Hein. Il y en a sur tous les continents, des membres et puis qui partagent tout ce qu'ils voient autour d'eux. Donc, Laurent, qui est avec moi, est donc modérateur sur le groupe administrateur. Donc, on a créé le groupe il y a 4 ans, tous les deux. Et donc, on est très, très heureux d'accueillir ce soir Grégory qui participe à cette première émission. Voilà, on le remercie beaucoup de sa confiance, hein, parce que c'est l'air de rien, c'est pas évident de faire une émission sur YouTube. Et c'est en grande partie lui qui m'a montré un peu comment on faisait avec Laurent aussi, hein, qui est habitué à l'ordinateur. Donc, Laurent, je te laisse te présenter. Oui, je suis donc membre du groupe AH et j'ai toujours été passionné par tout ce qui est découverte, exploration, balade en forêt tout simplement. J'ai eu la chance de voyager par mon travail, donc j'ai pu aller au Pérou de cette manière-là. Et voilà, moi je suis plutôt quelqu'un de terrain, c'est quand même ce qui me plaît le plus, avant tout. Hein. Ouais, en plus un bon marcheur, hein, je témoigne. Hein, voilà, très bon on vieillit, mais je reste un bon marcheur. Non, bah, tu restes encore un bon marcheur, hein, j'ai du mal à te suivre. Et donc là, j'ai mis la page du groupe H, hein, qui a quand même pas mal de membres en France, 416, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, et beaucoup de gens partagent. Voilà, c'est un petit groupe, hein, on préfère la qualité à la quantité. Voilà, donc c'est aussi sur Facebook hein, qu'on a rencontré Grégory, voilà, qui est un passionné. Alors, je vais le laisser plus se présenter. Alors, je vais mettre sur sa très bonne page YouTube que je conseille à tout le monde. Allez, Grégory, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir à tous. Bien, moi, comme vous, je suis un passionné de vestiges archéologiques. Je suis également membre de la page AAH. Tu m'as récemment ajouté comme modérateur. Joël, je te remercie. Et moi, tout simplement, j'ai également découvert une passion pour tout ce qui est du domaine traditionnel, on va dire. Et j'ai commencé à m'intéresser, comme vous, par les vestiges archéologiques. J'ai fait quelques visites, notamment au Pérou et aussi dans pas mal d'endroits en Europe, comme la Sardaigne, la Sicile, en Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, un peu la France aussi. Et comme vous,
je me suis beaucoup posé la question de savoir si ce qu'on nous racontait de ces vestiges, là, les versions officielles qu'on nous raconte sur ces vestiges sont véritables ou si elles sont justes. Et j'ai remis progressivement de plus en plus en question les théories modernes pour de plus en plus m'intéresser à ce qu'on appelle la science sacrée. Donc la science sacrée, on pourrait dire que ce sont les connaissances des peuples anciens ou des civilisations traditionnelles qui n'avaient pas du tout la même vision du monde que la science moderne, on va dire. Et donc je replace tous ces vestiges que j'ai visités dans une perspective traditionnelle, on pourrait dire, c'est-à-dire selon une vision traditionnelle des anciennes civilisations qui n'avaient pas du tout la même conception du monde et de l'homme que la conception de la science moderne. Tout à fait. Alors, je mets en lumière aussi ton site qui est… Alors, moi, je le dis hein, vraiment. Alors, c'est vrai que si vous voulez pas vous lancer dans un livre de René Guénon, vous avez plein de passages fabuleux dans ton site internet. Je te laisse en parler parce que c'est vrai que c'est une mine. Hein. Oui, tout à fait. Ben, j'ai créé un blog il y a 3 ou 4 ans pour essayer de reprendre un peu les principales explications concernant justement toutes ces sciences sacrées. Il y a beaucoup d'articles qui sont consacrés à la cyclologie ou à la mythologie, la cosmogonie aussi, et aussi beaucoup à la symbolique. Ce sont véritablement des sciences sacrées qui sont tout de même fortement oubliées à notre époque et même qui ont été pourchassées tout au cours du temps, on pourrait dire. On pourrait dire que ces sciences sacrées, à l'origine, elles étaient détenues par une élite intellectuelle dans la société, par une autorité spirituelle, et qu'au cours du temps, toutes ces connaissances se sont perdues, entre guillemets, ou ont été oubliées, pour être remplacées par des connaissances de la science moderne, qui ont complètement effacé toutes ces anciennes connaissances qu'on pourrait qualifier de sagesse. Et alors voilà, oui, ce blog reprend un certain nombre d'articles que j'ai trouvés sur Internet le plus souvent, car les articles, ce ne sont pas moi qui les écris. La plupart des articles, ce sont des copier-coller que je trouve sur Internet et que j'agrémente avec des photos de vestiges archéologiques ou d'art qu'on trouve dans l'art traditionnel, des symboles, etc. C'est vraiment une mine. Hein. Moi, je conseille vraiment à tout le monde. Alors, en lien, vous trouverez en lien le lien vers la page YouTube de Grégory et aussi son blog Axe Cosmique. Hein. Donc, faut vraiment pas hésiter à aller voir parce qu'on retrouve beaucoup de réponses dans les sciences traditionnelles, beaucoup plus que dans des livres d'histoire où enfin, on peut en trouver, mais vraiment, la sagesse traditionnelle, c'est une mentalité différente de celle qu'on a maintenant. Et vraiment, c'est un super site internet. Alors, on va se baser ce soir pour tout ce qui est un petit peu, pour que les gens comprennent un petit peu les cycles traditionnels. On va reprendre un tableau du merveilleux livre de Jean Faure, Le cycle de l'humanité, que tu m'as fait découvrir, Grégory. Vraiment un super livre aussi qu'on peut conseiller à tous les auditeurs. Hein. C'est vraiment si on avait qu'un lien, moi personnellement, c'est le premier que je conseille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laurent, toi, tu ne l'as peut-être pas encore lu, mais c'est une merveille. Oui, c'est un livre qui nous explique comment les anciens percevaient le temps. La conception du monde des anciennes civilisations était totalement différente de la conception du monde de l'homme moderne. Les anciens avaient une conception du temps cyclique et évolutive. On va dire que pour eux, le temps est corrupteur et qualifié aussi. C'est-à-dire qu'au plus on remonte le temps, au plus on remonte vers l'origine et vers, on pourrait dire, la pure qualité, vers l'esprit. Et plus le temps s'écoule, au plus on s'éloigne de ce que René Guénon appelait le principe, on pourrait dire de Dieu en termes théologiques. Et donc, c'est donc
dans la conception du temps traditionnel, les anciennes humanités avaient conscience d'avoir chuté d'un état paradisiaque originel. Et alors, cette chute s'effectue, on va dire, tout au cours du temps, selon quatre cycles. C'est la doctrine traditionnelle des quatre âges de l'humanité que l'on retrouve dans de nombreux mythes d'anciennes civilisations. On le retrouve dans la tradition hindoue, chez les anciens Grecs notamment, avec donc l'âge d'or, qui est l'âge du paradis terrestre. Ensuite, une première chute suivre dans l'âge d'argent. Ensuite, une deuxième chute où l'on tombe dans l'âge des reins. Et enfin, une troisième chute où on tombe dans le cycle cosmique actuel, qui est ce qu'on appelle l'âge de fer ou le Kali Yuga dans la tradition hindoue. Et donc, l'âge de fer, c'est aussi celui qui est le plus éloigné de l'origine, on peut dire. Et voilà, on l'appelle aussi l'âge sombre. Et alors, cette époque, Jean Faure, lui, il la ferait remonter à 6480 ans, en sachant qu'il se base sur l'étude du temps cyclique et de la précession des équinoxes, pardon, voilà, je ne retrouvais plus le mot. Oui. Il se base donc sur des cycles temporels de 2180 ans. Et alors, au cours de ces cycles, c'est une procession qui dure donc 2180 ans et il y aurait comme des briques temporelles qui composent chaque cycle cosmique. Et alors, ces quatre âges sont aussi établis sur la base de ce qu'on appelle la tétrakis pythagoricienne, c'est-à-dire sur les nombres 4, 3, 2, 1, qui, quand on les additionne, donnent le nombre 10. Et le nombre 10, c'est un symbole, on va dire, du ciel. Très bien. Moi, je replace donc tous ces vestiges en me basant sur cette conception traditionnelle du temps et en les replaçant dans ces quatre âges de l'humanité. Et je pense qu'il y a des vestiges beaucoup plus anciens que d'autres. On va en parler certainement au cours de l'émission, qui dateraient certainement de l'âge d'argent. Ce sont les vestiges qu'on peut appeler troglodytiques, ou du moins une partie d'entre eux. Ensuite, il y aurait les vestiges mégalithiques qui dateraient quant à eux de l'âge des reins et des vestiges cellulaires avec des blocs de plus petite taille, on pourrait dire, qui appartiendraient donc, eux, à l'âge de fer. Tout à fait. Et du coup, pendant l'âge d'or, donc c'était plus une période spirituelle où il n'y avait pas forcément de temple. Voilà, il n'y a pas de reste au niveau de l'âge d'or. Hein. On est vraiment à partir, tout commence à l'âge d'argent. Des vestiges troglodytiques, voilà. Oui, on pourrait dire que l'âge d'or, c'est une époque supratemporelle, voilà, une époque presque. Jean Faure, il nous dit que durant l'âge d'or, le temps était plus proche de l'éternité que de la durée. Et ça, c'est une belle image pour nous signifier que au plus on remonte les cycles cosmiques, au plus on se rapproche de l'âge d'or, au plus on va trouver des époques qualitatives, on va dire. Et là, le temps s'accélère. Avec l'âge de fer, on arrive vraiment à des plus petits cycles. Le temps s'accélère et donc là, on est dans la dernière période, le Kali Yuga, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, oui. Voilà, donc, et alors, on pourrait même dire qu'on se situe certainement vers la fin de cet âge de fer. Voilà, c'est tous les signaux sautent en vert, tous les signaux sautent au vert pour marquer la fin de ce cycle. On en parlera dans la conception traditionnelle, le temps est donc vu comme un éloignement de l'origine ou de l'esprit ou de Dieu en termes théologiques au cours du temps. Donc les anciens avaient conscience d'avoir chuté d'un état paradisiaque originel. Et alors, comme tu l'as signalé, durant l'âge d'or, il n'y avait certainement pas de sanctuaires qui ont été construits. Les sanctuaires ont certainement commencé à être construits après la chute de l'âge d'or, justement pour essayer de retrouver cet état d'être paradisiaque originel à travers des rituels qui se pratiquaient dans les sanctuaires, donc qui étaient dédiés à la spiritualité. Et on va en parler un peu plus tard, on va montrer des photos.
Tout à fait. Alors, les périodes qui vont vraiment intéresser on va dire les émissions qu'on fera, ce sera surtout l'âge des reins et en particulier beaucoup l'âge d'argent, qui ont des vestiges totalement ignorés ou avec des descriptifs totalement... ça peut passer de la caverne de pirate à la grotte, à la crotte de militaire, alors que tous ces vestiges sont beaucoup plus anciens en France, hein, je parle, hein, bien sûr. On les appelle les boves, on les appelle les creutes, on les appelle des grottes ou même des garages, des cavernes. Mais en fait, ce sont des vestiges de l'âge d'argent. Et avec Laurent, bon, nous, en France, on en a trouvé beaucoup. Même autour de Paris, hein, Laurent, je te laisse aussi peut-être en parler aussi des vestiges qu'on a trouvés autour de Paris de l'âge d'argent. Très peu entretenus. Enfin, oui, ils sont laissés à l'abandon, hein, clairement. Dans un état d'élabrement, déjà pour y accéder, c'est une vraie galère, déjà pour les trouver. Et aussi pour y accéder, avec Laurent, on s'est fait des frayeurs. On a même trouvé des fois des obus dans les cavités trop douglodytiques ou des mines. C'est vraiment des sites qui sont totalement ignorés par les historiens. Et quand ils ne sont pas ignorés, ils finissent en attraction touristique où on met des dinosaures à l'entrée, des hommes des cavernes sur le côté. Et pour amuser les enfants, on va mettre l'acrobranche, etc. On pourrait dire que les scientifiques modernes, pour eux, il n'y a rien de vraiment spectaculaire dans l'architecture qui existerait avant, on va dire, peut-être 5 ou 6 000 ans au grand maximum, quoi. Tandis que dans la perspective traditionnelle, ces vestiges-là pourraient plus justement et logiquement être replacés durant un ancien cycle cosmique. Ils sont quelque part beaucoup plus spectaculaires que la plupart des vestiges qu'on nous montre et qu'on date seulement à quelques milliers d'années au grand maximum. Tout à fait. Alors, c'est toi en plus qui nous a sensibilisés aux Chartreuse, hein, Laurent. Laurent, toi, t'en as vu pas mal en France, hein. Si tu veux en parler un petit peu des Chartreuse en France et en Allemagne aussi, t'en as vu? Non, pas en Allemagne. Non, uniquement en France. Hein, bon, j'ai vu les plus connus, hein, ceux qu'on voit en Alsace. Oui, je ne me rappelle plus les autres coins, mais... Enfin, c'est vraiment des vestiges inconnus, quoi. Moi, je ne connaissais pas, avant de connaître Grégory, Chartreuse, je ne savais même pas ce que c'était. Ah, moi, pareil, oui, exactement. Et c'est vrai, comme tu dis, Grégory, c'est vraiment ce type de vestiges de l'âge d'argent qui sont pour moi le plus impressionnant. Et je vais paraître un peu bizarre, mais quand je rentre dans une cavité en Dordogne ou en près d'Arles ou dans le nord de Paris, enfin, on a vraiment une sensation, c'est magnifique, quoi. C'est là, dernièrement, on était samedi dans une grotte en altitude spectaculaire de l'âge d'argent qu'on a publié sur le groupe AH, mais c'était fabuleux. D'ailleurs, je pense qu'on fera une émission sur les vestiges du 27, du 95, mais c'est hallucinant. Mais ça sera sur une autre émission, mais... Voilà, c'était juste pour revenir sur ces vestiges qui sont totalement ignorés du grand public parce qu'ils ne les connaissent pas. Hein. Parce qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'on leur parle pas de ça. Ou alors, quand ils ne sont pas ignorés, ils sont soit datés du Moyen-Âge, soit datés de la préhistoire. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau des interprétations des modernes en ce qui concerne ces vestiges. Et alors, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est énormément de similarités encodées dans ces vestiges. On retrouve les mêmes symboles encodés bien souvent dans des vestiges troglodytiques, par exemple en France, et on peut en trouver en Amérique centrale ou des choses ainsi, ou dans d'autres pays, on retrouve les mêmes symboles qui sont encodés un peu partout dans cette architecture. On va retrouver le symbole du carré, celui de la voûte, celui du triangle, le pilier cosmique au centre de la caverne,
le symbole de la porte, les niches. On retrouve vraiment énormément de similarités dans cette architecture troglodytique. Et donc, il semblerait effectivement que ce n'est pas une architecture qui appartiendrait à une civilisation de l'Antiquité particulière, mais plutôt à une ancienne humanité qui construisait ses sanctuaires de cette façon-là, un petit peu partout sur la planète, et on va dire peut-être plus particulièrement tout de même dans l'hémisphère nord. Tout à fait. Et du coup, le but de ces émissions, et bien sûr, tu seras toujours invité, hein, si tu peux te joindre à nous, ce serait un vrai bonheur, c'est qu'avec Laurent, bah, on a quand même visité sur les dernières années, peut-être, je ne vais pas dire de bêtises, mais une cinquantaine de sites par an troglodytiques de l'âge d'argent. Donc, on va les présenter par région parce que c'est quand même plus simple. Et du coup, on va essayer un peu, dans ces émissions, de réinformer un peu les gens sur la véritable destination de ces sites, qui n'étaient pas des garages ou des enclos à bétail, ou voilà. Et pour bien comprendre que c'était des sites sacrés, encodés aux parois avec des symboles ésotériques. Et je pense qu'on a quand même pas mal de photos, de vidéos à montrer justement sur ces sites, pour réinformer les auditeurs et pour donner vraiment la vraie destination de ces sites, un peu comme on va faire ce soir avec le Machu Picchu, avec les photos à Laurent. C'est toujours important de resituer la mentalité de nos ancêtres qui n'était pas tournée vers la matérialité, enfin le matériel, mais plus vers la spiritualité. Pas dire de bêtises, mais ils ne faisaient rien pour. Ils étaient tournés vers le sacré en permanence. Oui, c'est ça. Pour les peuples traditionnels, tout est sacré. Et alors, l'entièreté de la société est articulée autour d'un mythe tutélaire, un mythe sacré, une histoire sacrée. Et alors, ce mythe sacré, cette histoire sacrée, est protégée, on pourrait dire, par une élite spirituelle. Et au cours du temps, il y a aussi ce qu'on appelle une régression des castes ou des classes sociales, on pourrait dire, au cours du temps. Il y a chaque fois une révolte des classes inférieures envers les classes supérieures. Ça, c'est ce qu'on appelle la régression des castes. Et alors, ça s'accorde aussi bien avec le temps cyclique, le schéma de la chute depuis un état originel ou tout au cours du temps, il y a ce que René Guénon a appelé une solidification du monde, c'est-à-dire que les hommes s'éloignent de plus en plus de l'esprit, on pourrait dire de l'intellect, ou même de la sagesse, on pourrait dire, au cours du temps. Et voilà. Oh ouais, non, mais c'est bien expliqué. D'ailleurs, un livre intéressant de René Guénon sur justement ce sujet de la solidification du monde, hein, qui un merveilleux livre. Alors de mémoire, je crois que c'est le titre du livre, Grégory, je pense que vous le connaissez. C'est Le règne de la quantité et les signes des temps. Oui, dans ce livre-là, il explique bien ce processus de solidification du monde au cours du temps. Et alors, pour replacer les vestiges, comme on le fait dans une perspective traditionnelle, il est évidemment, bien entendu, indispensable de se plonger un petit peu suffisamment dans ces auteurs, dans les ouvrages de ces auteurs qui ont expliqué toutes ces sciences traditionnelles d'une manière très admirable, sans quoi, évidemment, on ne peut comprendre la façon dont nous autres, on replace ces vestiges actuellement. Il faut d'abord peut-être comprendre la conception du monde des anciens et un peu les sciences sacrées, telles que le symbolisme, par exemple, pour un petit peu comprendre comment est-ce que nous, aujourd'hui, on en est venu à considérer ces sciences sacrées et à replacer tous ces vestiges dans une perspective traditionnelle et non pas dans la perspective de la science moderne. C'est un tout autre point de vue. Ouais, sortir de notre conditionnement, quoi. On est vraiment conditionné depuis l'enfance, c'est hallucinant, quoi. C'est un mur à franchir. Ouais, je dirais qu'au plus on s'intéresse aux sciences sacrées, au plus on est amené à désapprendre ce que l'on a appris jusqu'à aujourd'hui, quoi.
Totalement d'accord. Moi, je te rejoins totalement sur ça. Alors, au niveau du plan, on va commencer donc par regarder un petit peu les photos à Laurent qu'il a prises. Alors, Laurent, je te laisse expliquer un peu ton voyage au Pérou, en quelle année et voilà. Expliquer un peu ton voyage au Pérou. Dans quelles conditions aussi, parce que tu n'étais peut-être pas sensibilisé. Voilà, à tout ce qu'on vient de dire. Oui, ben c'est un voyage que j'ai fait en 2010. Et effectivement, comme tu le dis, je n'étais pas du tout sensibilisé à ça. La seule chose que l'image que j'avais, moi, du Pérou, c'était le dessin animé Les Cités d'Or. Donc, vraiment, je... On a tous regardé. Qu'on a tous regardé. Ah, et donc, je suis passé à côté de beaucoup de choses en allant au Pérou parce que je ne comprenais pas ce que je voyais. Et c'est maintenant, en revoyant mes photos, que je peux mieux comprendre les choses. Tout à fait. Voilà. Je rejoins totalement. Alors là, on est sur l'arrivée, quand tu arrives sur le site du Machu Picchu. Oui, donc, je pense, c'est pas loin de l'arrivée. C'est, en tout cas, tu as une vue d'ensemble du site. C'est magnifique. Donc là, on est vraiment sur la partie Inca. Donc, pour rappel, officiellement, le site du Machu Picchu, il est daté du XVIe siècle. Il aurait été une résidence d'un empereur Inca qui s'appelait Pachacutec. Excusez-moi si je ne prononce pas bien. Et la ville, en fait, aurait été abandonnée par la suite, avant la fin de sa construction, et oubliée par le peuple Inca, le peuple du Pérou, et non découvert par les Espagnols. Alors, le site du Pérou est situé quand même à une altitude assez impressionnante. Il est à 2438 mètres. Alors je ne sais pas si vous avez ressenti l'altitude, parce que ça commence à être haut quand même, non ? Là, non ? Est-ce que... On ne ressent pas plus que ça l'altitude, parce que ce qu'on ressent là-bas, je crois, c'est qu'on commence à ressentir la chaleur et l'humidité. Je crois qu'on est tout près de la forêt amazonienne. Donc, d'accord. Je crois que c'est un peu plus lourd par là. Alors, c'est une roche d'origine magmatique appartenant au pluton granitique du Machu Picchu. Donc, c'est une roche, on va dire, assez solide. Et donc, on va voir quand même que les vestiges qui sont taillés dans la pleine masse des rochers, taillés dans le granit, je ne dis pas de bêtises, Laurent et Grégory, c'est quand même difficile. Voilà, donc, ce qu'on va voir là, quand même, c'est quand même des vestiges impressionnants pour celui qui s'intéresse un petit peu à la géologie ou à la pierre. Et donc, du coup, quand vous arrivez tous les deux sur le site, la première chose que vous voyez, c'est plutôt des vestiges en petits blocs, donc des trucs un peu récents. Je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc, la première impression, c'est que vous arrivez sur un village... du Moyen-Âge, enfin, j'exagère un peu, mais voilà, il n'y a rien qui sauf la beauté du paysage. Beaucoup disent qu'on dirait une tête allongée, la montagne là, en face de nous. C'est vrai que c'est beau, hein ? Une tête allongée qui regarde le ciel. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi d'y faire ce site. Mais à la base, je pense, moi, que c'était un site beaucoup plus ancien, qui a été repris comme refuge avec l'arrivée des Espagnols, mais qui à la base est un site sacré et qui a été réaménagé peut-être pour s'y cacher. Ça, c'est tout à fait possible du temps des Incas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce site aurait été découvert en 1911 par Hiram Bingham. Oui. Et je pense qu'à l'époque, le site était plus ou moins... oublié et enfoui sur pas mal de végétation ainsi que pas mal de sites aux alentours d'ailleurs. Je pense que ce chercheur a découvert pas mal de sites autour du Machu Picchu également. Et alors moi, quand je suis arrivé sur ce site, je n'ai pas eu la sensation d'arriver dans un village, au contraire, parce que j'avais déjà connaissance que pour les anciens, la montagne, c'est un lieu sacré. Et justement, le sommet des montagnes représente, on pourrait dire, le lieu où il est possible d'établir une connexion avec le monde spirituel ou le monde divin
le monde des dieux, on pourrait dire. Donc, pour moi, toutes ces constructions n'ont pas seulement été de simples habitations, mais au contraire, un sanctuaire dédié à la spiritualité des Incas. Mais comme on va certainement le voir plus tard, on va voir qu'il y a plusieurs types d'architecture, plusieurs styles différents d'architecture qui appartiendraient, donc, selon moi, en les replaçant dans la perspective du temps cyclique, à différentes périodes de l'humanité. Et moi, quand j'ai été au Pérou, j'avais déjà connaissance des travaux d'un chercheur péruvien qui s'appelle Jesus Gamarra, qui a écrit plusieurs bouquins et qui a sorti un documentaire qui s'appelle The Cosmogony of the Three Worlds. Donc, en français, c'est La Cosmogonie des Trois Mondes. Et lui, c'est un chercheur péruvien qui aime beaucoup sa culture et son passé, etc. Il a beaucoup étudié les mythes des sociétés andines, mais aussi les mythes grecs, beaucoup de mythes. Donc, il s'est intéressé beaucoup à la mythologie et il replace les différents styles d'architecture que l'on trouve au Pérou, mais aussi un peu partout dans le monde, dans cette perspective du temps cyclique et traditionnel, donc dans la doctrine des quatre âges de l'humanité. Et il placerait donc les plus anciens vestiges, qui sont les vestiges réalisés directement dans la pleine masse des rochers, dans le premier monde, qu'il appelle Anan-Pacha. Ensuite, il y a des vestiges mégalithiques, donc des blocs de grande taille constituant des murs où les blocs sont souvent ajustés à la perfection. Il replace ce style-là dans le deuxième monde, qu'il appelle Uran-Pacha. Et ensuite, l'architecture proprement dite Inca, qui est constituée avec des briques et des blocs de plus petite taille, avec également du ciment, hein. Dans le troisième monde, donc dans l'âge de fer, et lui qu'il appelle Ukunpacha. Donc, et du coup, alors une petite question qui me vient là, tant qu'on est sur les cycles de Jesus Gamma, qu'on salue ce soir d'ailleurs, qui est aussi membre du groupe H. Je voulais savoir, est-ce qu'ils étaient de la même du même temps, enfin de la même durée que les cycles adamiques que nous présentait Jean Fort tout à l'heure? Alors, je n'ai pas regardé si ils ne donnent pas précisément des durées de temps pour chaque âge, je ne pense pas. Ces ouvrages, ils sont écrits en espagnol, donc je les ai lus, mais ne comprenant pas très bien l'espagnol, je n'ai pas tout lu non plus. Mais je ne pense pas qu'il donne des durées à chaque âge, mais par contre, il parle de différentes périodes de l'humanité, de différents mondes. Lui, il parle de trois mondes différents. Il parle de la cosmogonie des trois mondes. Donc, pour lui, le premier monde, Anan-Pacha, il correspondrait, selon la cyclologie traditionnelle, à l'âge d'argent, le second monde à l'âge des reins et le troisième monde à l'âge de fer. Et donc, du coup, il se base en fait sur les mythes de son pays qu'il a repris et qu'il a en fait textualisé, quoi. Il reprend les mythes et traditions qu'il a entendues dans son pays ou c'est, ouais. Ça vient vraiment d'une recherche personnelle? Non, il a étudié les mythes des sociétés andines et aussi les mythes grecs. Donc, qui parle également du temps, de la doctrine des quatre âges de l'humanité. Hein. Et c'est pour ça qu'il replace. Il a bien vu qu'il existe trois grands différents styles d'architecture et que ces trois styles d'architecture correspondent à trois différentes périodes de l'humanité. Et donc, les plus anciens vestiges sont aussi les plus spectaculaires. Donc, il a aussi beaucoup étudié la cosmogonie, c'est-à-dire les parties des mythes qui explique la création du monde ou sa manifestation et qui nous explique bien que l'humanité a chuté du paradis au cours du temps. Et il montre que dans cette architecture, même parfois, on peut retrouver des blocs qui témoignent de cette connaissance de la cosmogonie. Par exemple, sur un sommet de la colline à Ollantaytambol, il y a 7 grands blocs. Il y en a 6 qui sont dressés verticalement et un qui se trouve à l'horizontale. Et lui, il y voit le symbole des 6 jours de la création et du symbole du chiffre 7 aussi. Donc, on voit que dans l'architecture est encodé, on va dire,
des connaissances traditionnelles et sacrées qui se sont transmises tout au cours du temps et depuis l'origine de l'humanité. Ah ouais, bah c'est passionnant parce que c'est vrai qu'on en vient tous à la même conclusion, quoi. C'est vraiment très intéressant et j'espère qu'il sera traduit un jour en français, donc son travail sera traduit en français parce que ça donne vraiment envie de connaître ses travaux. Donc du coup, Laurent, si tu veux avancer sur la prochaine photo. Donc là, alors là, on a une merveille. Hein, alors est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Laurent, de ce magnifique mur Malheureusement, je ne sais plus où est-ce qu'il se trouve au Machu Picchu. Donc je ne sais... Probablement le Temple du Soleil. Oui, ouais. C'est ça, c'est le temple central, ça. Oui, c'est le temple central, le temple principal. Oui. Ah, c'est une merveille, hein. C'est vraiment impressionnant parce que ça n'a pas bougé. Je pense que quand ils ont retrouvé le site au 19e siècle, c'était comme ça. Je ne pense pas qu'ils ont remis les blocs, c'est une merveille. Hein. On voit bien en plus le petit côté vert, c'est une sorte de... Enfin, c'est magnifique, hein. Vas-y, si tu veux avancer un petit peu. Donc là, on est sur... Le temple du soleil. Hein. Oui. Ouais, c'est le temple du soleil ou Toréon, ça s'appelle Toréon ou Toréon. Alors pareil, là on peut distinguer plusieurs époques de construction. Alors Grégory, si tu veux en parler, vas-y. Bah ici, on distingue deux types d'architectures différentes. Il y a l'architecture cellulaire en bloc, qui, à mon avis, est une architecture plutôt inca, ici, qui est posée par-dessus les restes de vestiges troglodytiques. Mais il y a des endroits où c'est beaucoup plus visible que ça. Mais on retrouve cette superposition de différents styles d'architecture sur de nombreux sites au Pérou, mais aussi un peu partout dans le monde. Ici, sur cette photo, on n'en voit que deux, mais par exemple, il y a des zones comme à Sacsayhuaman, près de Cusco, où là, on peut repérer jusqu'à trois différents styles d'architecture. Alors moi, je ne suis pas médium, hein, je ne peux pas deviner, mais j'ai vraiment quand même l'impression qu'au Machu Picchu, il y avait des grottes qui se sont peut-être effondrées et qu'il y a une réparation de sites sacrés. Parce qu'on voit bien qu'en bas, là, le support du bas, c'est taillé dans la roche. Et ensuite, on a quand même plusieurs couches qui ne sont pas tout à fait similaires. On voit bien qu'il y a une première couche qui recouvre une autre couche et au-dessus, là, bon, c'est des petits blocs de rien du tout, mais qui sont quand même bien taillés. Mais on voit quand même qu'il y a plusieurs périodes, peut-être même trois périodes. On retrouve bien trois périodes d'humanité quand même. Le bas qui est taillé dans la roche et le dessus qui va du plus impressionnant jusqu'au peut-être les Incas qui ont réparé le haut, voulant garder ce temple sacré en bon état. Les réalisations des Incas peuvent parfois être très spectaculaires aussi et se rapprocher de certains murs mégalithiques qu'on trouve sur ces sites et aussi par exemple dans les rues de Cusco. On trouve énormément de constructions mégalithiques dans les rues et là il y a beaucoup de ces murs qui seraient pré-Incas. Tandis qu'il y a des réalisations Inca comme celle-ci, à mon avis, qui se rapprochent très fortement du style pré-Inca. Des fois, ce n'est pas facile de déterminer les murs qui pourraient dater de l'époque Inca et les murs mégalithiques qui seraient pré-Inca. On aurait quand même une période Inca dans ce qu'on voit là. C'est possible, oui, c'est possible. Il y a vraiment des réalisations Inca magistrales, vraiment bien faites. On peut, selon Jesus Gamarra, la meilleure façon pour distinguer les murs Inca des murs pré-Inca, c'est que sur les murs pré-Inca, donc mégalithiques, qu'ils soient polygonaux ou qu'ils n'aient que quatre côtés, on peut distinguer une vitrification qui recouvre parfois la surface extérieure du bloc ou le long des joints, et aussi des marques de ce qu'on appelle marques pâtes à modeler, entre guillemets, qui semblent attester du fait qu'à cette époque-là, la matière aurait été plus malléable qu'elle ne l'est aujourd'hui, tandis que sur l'architecture proprement Inca,
on ne voit ni cette vitrification, ni ces marques de pâte à modeler. Très bien. Alors, moi, je me suis un petit peu intéressé quand même à l'outillage Inca qui était censé avoir. D'après ce que j'ai compris, ils se sont arrêtés au bronze apparemment et la pierre très dure, le dolérite, une pierre très très dure. Et du coup, ils n'ont pas été jusqu'au fer. Je crois qu'ils se sont arrêtés dans le fer et qu'ils n'ont pas été comme nous. Ils n'ont pas eu cette période d'âge de fer qu'on a eu en France, en Europe. Ah, donc en fait, ils auraient taillé leurs blocs, les Incas, plutôt avec de la pierre très dure ou du bronze. Voilà, d'après ce que j'ai compris, hein. Peut-être que je me trompe. En tout cas, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que ces blocs-là, il n'y a pas de jouet entre les blocs. Ceux du bas, hein. Oui. Voilà. Donc là, en fait, donc on est vraiment sur une partie fabuleuse. Hein. Si Laurent, tu veux avancer. Ah, alors là. Déjà, on a un gros symbole. Hein. Cette partie-là. Vas-y, sous le temple. Ouais. Et alors, elle s'appelle comment ce. Oh, je ne peux pas te dire, je ne me rappelle plus. Hein. C'est juste en dessous. Je pense, oui. Et alors, est-ce qu'il y avait des petits panneaux explicatifs officiels sur site ou pas du tout? Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de panneaux, mais en général, tu as des guides qui te décrivent ce que tu vois. Et vous aviez un guide tous les deux? Oui, on avait un guide, bien sûr. Mais non, pas moi. Mon guide, moi, c'était Jésus Gamara. Ah, bah, d'accord. Et alors, comment il a analysé comment cette merveille-là, qu'est-ce qu'il t'en a dit dessus? Non, au fait, il a été mon guide sur pas mal de sites, mais pas sur le Machu Picchu, j'y suis allé tout seul. Mais ce qu'on peut remarquer au Machu Picchu, c'est ce qu'on peut remarquer un peu partout sur les sites, là, dans la vallée sacrée des Incas, au Pérou, près de Cusco, c'est qu'il y a donc, comme je vous l'expliquais, plusieurs styles d'architecture qui semblent appartenir à plusieurs époques différentes. Ah, mais là, c'est impressionnant quand même. On a quand même le symbole de l'escalier, non? Oui, tout à fait. Oui. Un symbole que l'on retrouve encodé très souvent dans ce type d'architecture troglodytique, donc où tout est réalisé dans la pleine masse des rochers. On retrouve ce symbole en escalier non seulement dans l'architecture sacrée de cette époque, mais aussi dans l'architecture sacrée d'époque moins ancienne. Et on le retrouve aussi dans l'art, dans le textile, etc. Donc, c'est vraiment un motif sacré. C'est alors moi, derrière, j'aurais tendance à dire que c'est symbolique aussi un petit peu derrière, là, les formes derrière. Non, on n'a pas. Alors, si on était dans l'époque moderne, je dirais que ça ressemble à un sablier. Mais à cette époque-là, je ne sais pas. Je trouve ça curieux quand même, l'habillage derrière. Là, je pense qu'il y a un message derrière. Je me trompe peut-être, hein. L'habillage derrière, je pense que ce sont des blocs qui ont été mis certainement par les Incas ou peut-être un peu plus anciens que les Incas. Mais à mon avis, c'est plutôt Inca. Et alors, ce sont comme des fenêtres. Hein. Le fenêtre, c'est un autre symbole que l'on retrouve ou la porte. Ce sont des symboles que l'on retrouve dans toute l'architecture sacrée, mais aussi dans les mythes. Hein. On parle souvent. On fait souvent allusion à des portes dans les textes sacrés, dans les mythes. La porte symbolise le passage entre deux mondes, on va dire entre le monde visible et le monde invisible, ou le monde terrestre et le monde céleste, ou le monde matériel et le monde spirituel, c'est un symbole de passage. Et l'escalier symbolise aussi l'élévation. Oh ouais, puis le tunnel derrière l'escalier, là, on voit bien le petit goulot, le petit passage difficile, étroit à passer pour s'élever, quoi. Enfin, je trouve ça vachement symbolique, moi. Je trouve que c'est très beau. Et du coup, Laurent, est-ce que tu as eu la curiosité d'aller voir ce qu'il y avait derrière cet escalier? Non, je n'y suis pas allé. Je ne suis pas sûr que tu y aies accès. Ah! Voilà. Ah oui, il y avait peut-être une ficelle interdisant. Oui, je pense que tu n'as pas le droit d'y aller. Ouais. Ah oui, d'accord, ok.
Grégory, pareil, t'as pas pu t'approcher de cette merveille? Je me suis approché, par contre, je ne saurais plus vous dire si j'ai eu l'occasion d'y rentrer ou pas. Je ne m'en souviens plus. Taverne, hein. Oui, c'est ça. Ben, à mon avis, c'est un morceau d'architecture troglodytique du premier monde, qui est une architecture qui est souvent très détériorée. Hein. On peut remarquer ça un peu partout. Comme vous avez sûrement dû le voir vous aussi dans vos dizaines et des centaines de visites, l'architecture troglodytique est très souvent endommagée. Et alors, elle est souvent comme réparée par des blocs qui sont venus s'ajouter par-dessus et autour pour essayer de réparer en quelque sorte ce premier style d'architecture. Tout à fait. Tout à fait. Bon, alors là, on a vraiment l'exemple typique d'un vestige de l'âge d'argent pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live. Donc, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'il y a plusieurs périodes de construction et que l'explication officielle datant ce site uniquement du XVIe siècle, je pense qu'elle peut être facilement remise en cause parce qu'il y a plein d'éléments qui laissent penser que c'est beaucoup plus ancien. Donc Laurent, si oui. Tu veux avancer un petit peu. J'avance un peu. Ouais. Voilà. Donc là, on se retrouve en dessous encore. Hein, on doit être juste au-dessus, à côté de l'escalier, et on regarde le dessus de ce qu'on a vu tout à l'heure, non? On est au même endroit, oui. On est au même endroit. Hein. Donc là, on voit quand même la hauteur du. C'est immense. Hein. C'est immense. Vas-y, tu peux avancer un peu. Donc là, on retourne sur les terrasses. Là. Voilà. Donc, déjà, on a une maison en pierre. Voilà, là, on est sur, sans problème, un vestige inca. Il n'y a pas de doute là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les sites sacrés ont toujours été construits dans des endroits très spectaculaires, on va dire, très, très impressionnants, on va dire, de par... Le paysage qui peuvent les entourer. Et coupé du monde profane aussi. Oui, vraiment souvent perdu en plein milieu de la nature, etc. C'est vraiment loin du bruit. On pourrait dire que ce sont des sites qualifiés. Ils sont qualifiés par l'impressivité du lieu. D'ailleurs, j'en profite pour dire que quand tous les trois, on se retrouve dans des endroits sacrés, souvent, on s'y sent bien parce qu'on est loin du brouhaha, du bruit et de l'agitation du monde moderne. Ça aussi, ça nous plaît aussi. Je pense que vous avez dû ressentir ça, même s'il y a beaucoup de touristes. Je pense qu'on doit s'y sentir bien quand même. Oui, on peut dire que la plupart de ces sites sentent bon. Par contre, il y en a peut-être aussi qui sont beaucoup plus délabrés et où on y trouve des déchets à l'intérieur, etc. Là, on s'y sent un petit peu moins bien peut-être, mais il y a certains sites comme ça où on se sent vraiment bien. Au Pérou, c'est quand même, les sites sont quand même bien tenus. Les sites que vous avez visités tous les deux, c'était plutôt entretenu comparé en France où on a quand même des sites très peu entretenus. Ce genre de sites sont quand même très peu entretenus. Oui, les sites au Pérou, moi sur les sites au Pérou que j'ai visités, j'ai pas vu de déchets ni rien du tout. Ils sont vraiment très bien entretenus et je pense que le tourisme est un revenu très important pour le Pérou. Donc, ils ont tout intérêt à entretenir bien les sites pour qu'il y ait beaucoup de visiteurs qui viennent les explorer, etc. D'accord. Vas-y, Laurent, si tu veux avancer. Je crois que tu as beaucoup de photos là des terrasses. Oui, oui, oui. Merveille. Une série là. Alors, on parlait un petit peu tous les trois là quand on avait préparé l'émission. C'est vrai qu'on j'avais un petit peu insisté sur le côté, on croirait vraiment des pyramides, quoi. On voit les degrés de construction. Alors, peut-être qu'ils se sont adaptés à ce qui était avant, mais on voit quand même qu'il y a, beaucoup de degrés dans la construction. Là, on a. Ouais. C'est pas que pour la culture, je pense.
On retrouve le symbole de l'escalier qu'on voyait tout à l'heure là, dans le reste de vestiges troglodytiques et qu'on retrouve abondamment dans l'architecture sacrée de toutes les époques d'ailleurs. Et on pourrait dire que le symbole de l'escalier ou de la pyramide symbolise une montagne, puisque vraiment pour l'humanité du premier monde, on va dire, de l'humanité des origines, la montagne est un symbole de verticalité, c'est-à-dire un axe qui relie les différents mondes entre eux et qui nous permettent de s'élever vers Dieu, on pourrait dire, vers l'esprit. Tout à fait, et on retrouve vraiment ça sur tous les continents, de la Chine en Amérique du Sud, voilà, même sur les îles plus éloignées, aux Açores, aux îles Canaries, on retrouve des pyramides partout, et c'est vraiment un symbolisme universel, quoi. C'est, enfin, quand je vois des fois des explications où aux Açores, c'est des agriculteurs qui ont fait une pyramide avec les pierres qu'ils trouvaient dans les champs. Enfin, c'est nier quand même ce symbole qu'on retrouve partout sur Terre, quoi. Ici, là, c'est encore flagrant. On voit bien que c'est pyramidal. C'est... Vas-y, avance un peu, Laurent, parce que je crois que tu as d'autres photos. Moi, je disais tout à l'heure que la compréhension pré-moderne du symbole, c'est la clé qui ouvre la porte qui mène à la connaissance. Le symbolisme, c'est vraiment le début de tout, quoi, pour comprendre. En plus, ça a plusieurs significations. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est beaucoup plus riche que le langage, la langue, l'écriture. C'est le symbole, c'est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, hein, le livre de René Guénon sur le symbolisme. C'est vraiment, c'est incroyable, quoi. Exactement. Oui, ça ouvre véritablement une porte vers des connaissances qui dépassent le domaine des connaissances de la science moderne. Et c'est totalement ignoré par notre monde moderne, quoi. C'est vraiment quelque chose. On s'est éloigné de tout ça, on pourrait dire, depuis la fin de la dernière civilisation véritablement traditionnelle en Occident, qui était la civilisation du Moyen-Âge. Depuis cette époque-là, on a eu de cesse de s'écarter de la sagesse traditionnelle, des sciences sacrées. On a de moins en moins bien compris ce qu'était le langage symbolique et on s'est écarté de toutes ces connaissances au cours de ces derniers siècles. Tout à fait. On peut faire une petite publicité pour le livre de Pierre-Yves Lenoble, Métaphysique du Moyen-Âge, qui, moi, vraiment, j'ai trouvé ce livre excellent. Très, très bon. Oui, excellent auteur, d'ailleurs. Je recommande aussi d'aller visionner les vidéos qu'il y a sur sa chaîne YouTube et tout particulièrement celles qui ont trait justement aux explications des symboles, etc. Ce sont dans ses premières vidéos. Il a beaucoup expliqué les symboles traditionnels. Et il a fait pas mal de livres, une dizaine de livres, qui sont vraiment très intéressants. Hein, j'en ai lu quelques-uns. C'est vraiment, c'est beaucoup plus simple à lire. On va dire que les auteurs pérennialistes, c'est beaucoup plus abordable pour celui qui n'a jamais entendu parler de ça et qui voudra un petit peu s'y pencher. Oui. Exactement. Vas-y, Laurent, si tu veux avancer. Encore des terrasses. Voilà, là, on est vraiment encore sur une terrasse. Moi, l'explication de la culture, là, moi, je vois vraiment plus un côté symbolique à ce genre de terrasse. Hein. Oui, c'est vrai, moi aussi. Ou les deux. Ou les peut-être deux. Les deux. Peut-être. Alors ça, c'est beau aussi, ça. Alors, moi, ça m'a fasciné, là, ta photo, Laurent, là, sur le côté droit. J'ai une envie folle d'aller voir ce qu'il y a là-dedans, dans ce tas de blocs, là, de terre. Voilà, ce chaos rocheux. On se demande si c'est une grotte qui s'est effondrée, parce qu'on a l'impression que derrière, il y a un morceau de montagne. Ou est-ce que c'est des blocs qui je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre en fait cette photo. Je serais curieux de voir vraiment, je sais que Grégory, toi tu as été plus près hein, dans ce tas de chaos. Oui. Tu as pris des photos toi de ça ou pas? Je pense que je dois en avoir quelques-unes et je pense que j'y ai décelé
quelques rochers où on voit que les rochers ont été travaillés artificiellement. Il y a comme des restes, il y a comme quelques restes de niches qu'on trouve abondamment dans l'architecture troglodytique là, dans toute cette région. Si tu peux nous faire un petit reportage sur le groupe AH, sur tes photos. Oui. Si tu les retrouves, hein, je sais que ce n'est pas facile. Moi, j'ai du mal à retrouver mes photos. Oh, bah, pas de souci, j'essaierai de les retrouver. Je te les enverrai, je le posterai sur le groupe. Oui, oui, poste sur le groupe directement, parce que comme ça, tu en fais profiter tout le monde. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde s'intéresse à ce chaos rocheux-là. Moi, je sensibiliser non, bien sûr, maintenant. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des choses. La plupart des gens n'ont pas conscience qu'il existe différents types d'architecture. Ils pensent que tout a été créé à la même époque et c'est ce que racontent en gros tous les archéologues modernes et les historiens modernes. Ils ne font généralement pas la distinction entre les différents types d'architecture et ils n'y voient pas une évolution au cours du temps, mais au contraire un progrès. Oui, alors du coup, c'est vrai que ce chaos-là rocheux, je crois que c'est marqué sur le plan pour les touristes, c'est marqué carrière. Voilà, peut-être que j'ai une bêtise. Si jamais je dis une bêtise, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Mais je pense que c'est marqué carrière sur le plan. Donc pour eux, c'est juste une carrière de pierre qui n'a pas d'intérêt. Voilà. D'après ce que j'ai pu dire. On retrouve d'ailleurs souvent cette explication comme quoi ces vestiges troglodytiques très endommagés étaient des carrières. Tout à fait. J'ai pu trouver cette explication là aussi souvent sur d'autres sites ailleurs dans le monde. Tout à fait. Alors vas-y Laurent, si tu veux avancer. Donc là, on est encore sur les terrasses. Hein. On voit des bâtiments sans doute récents. Est-ce que tu veux en dire un mot, Laurent ? Ah. Non, je préfère avancer. Je pense que là, cette pierre est quand même assez intéressante. Oui, alors, elle a un nom. Alors, il l'appelle l'Intihuatana au sommet du quartier sacré. Donc, officiellement, c'est un calendrier solaire. Hein, Inti, c'est le dieu du soleil. D'accord. Donc, officiellement, c'est un calendrier solaire, parce qu'ils conviennent quand même que c'est un observatoire aussi astronomique, le Machu Picchu, hein, de plus en plus. J'ai cru comprendre qu'ils remettent aussi un petit peu en cause le fait que ce soit un simple palais et qu'il ait pu servir aussi à un lieu vénérable où on pratiquait des rites. De plus en plus, j'entends ça. Et là, par contre, on sur le domaine de l'astronomie, officiellement. Oui, c'est ça, les explications officielles que j'avais eues ou entendues dire par des guides, effectivement, c'est que c'était une pierre qui servait à des mesures astronomiques. Tout à fait. Et en fait, alors pour celui qui s'intéresse un peu à, on va dire, à tout ce qui est ésotérique, à tout ce qui est, tout ce qui est un peu symbolique, là, on est quand même plus sur une pierre symbolique, sur une pierre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, Grégory, sur ce. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est simplement un symbole de l'axe du monde. On retrouve une niche avec un escalier quand même. Et alors, vraiment, la partie au sommet qui est verticale, elle symbolise véritablement l'axe du monde ou aussi le centre du monde. Mais symboliquement, hein. C'est un symbole du centre qui représente aussi le cœur et aussi un symbole de l'axe du monde. Donc, l'axe qui relie les différents mondes, corps, âme, esprit, entre eux, ou aussi enfer, terre, ciel, ou terre, monde intermédiaire, ciel entre eux. Donc, c'est un axe qui relie les différents mondes entre eux, symboliquement. Tout à fait. Et du coup, ce genre de symbole, là, on est typiquement sur une réalisation. Alors, on ne va pas expliquer comment, mais on est vraiment sur un bloc de l'âge d'argent. Si vraiment les gens veulent comprendre la différence entre l'âge d'argent et l'âge des reins, là, on est sur l'âge d'argent. Donc, sans doute, un vieux vestige du Machu Picchu.
Oui, sans doute, il présente vraiment les caractéristiques du premier style d'architecture, hein, donc où tout est réalisé directement dans la pleine masse des rochers. Et alors, phénomène très étrange et remarquable, c'est que sur la plupart de ces vestiges, on ne voit aucune marque de burinage. Et même certains d'entre eux, par endroits, portent une fine couche lisse et brillante que Jésus Gamara a appelée la vitrification. Donc, selon Jésus Gamara, ces vestiges auraient été réalisés par une étrange technique que lui, il appelle moule et chaleur. Tout à fait. Donc, il pense qu'à cette époque, la densité sur Terre était plus faible qu'aujourd'hui et aussi que la Terre aurait été plus petite et plus proche du Soleil. C'est-à-dire que durant le premier monde, l'orbite de la Terre autour du Soleil aurait été de 225 jours. Durant le second monde, elle aurait été de 260 jours. Et durant le troisième monde, qui est le cycle cosmique actuel, il est de 365 jours. Et je ne dis pas de bêtises en disant que Jésus Gamara ne connaissait pas René Guénon à l'origine. Non, pas du tout. C'est plutôt moi qui lui ai parlé de René Guénon. J'ai l'impression qu'il avait déjà un petit peu lu quelques ouvrages peut-être ou quelques textes vaguement de cet auteur, parce que je ne sais pas si René Guénon a été traduit en espagnol, mais il avait quand même vaguement connaissance de l'œuvre de René Guénon. Par contre, ce que lui explique dans sa théorie de la cosmogonie des trois mondes rentre totalement dans la même perspective que la perspective traditionnelle de René Guénon, avec une vue du temps cyclique et qualifiée, la doctrine des quatre âges de l'humanité. Mais c'est la cosmogonie, une étude profonde de la cosmogonie qui nous permet de comprendre tout ça. Au fait, c'est raconté dans les mythes, mais en langage symbolique, de manière symbolique. Et alors, c'est par l'étude de ces mythes et par l'acquisition d'une compréhension symbolique, du langage symbolique, qu'on parvient à comprendre justement cette doctrine des quatre âges et la théorie de l'involution. C'est pas une théorie, plutôt, c'est une doctrine, un enseignement qui s'est enseigné dans toutes les traditions du monde, comme quoi l'humanité chute d'un état paradisiaque originel au cours du temps. Ouais, on rejoint la solidification du monde. Hein, ce que dit Jésus Gamara et ce que dit René Guénon se rejoignent en partie. Hein, on est sur la même... Grandement, oui. Voilà, c'est impressionnant quand même, hein, c'est très intéressant. Alors Laurent, si tu veux un petit peu avancer aussi. Ah. Une autre pierre intéressante. Alors j'ai le nom. Vous avez dit que ça représentait le grand Condor. Oh ouais, c'est le temple du Condor et cette pierre-là, c'est au temple du Condor. Alors, dans les Andes, ils ont un ternaire, ce qu'on appelle un ternaire. C'est une vision, justement, de trois mondes qui constituent le cosmos. Donc, on va dire que le monde inférieur, il est symbolisé par le serpent. Le monde intermédiaire, il est symbolisé par le félin ou le jaguar, ou encore le lion. Mais au Pérou, c'est plutôt le jaguar. Et le monde supérieur, il est symbolisé par le condor. Et on retrouve des ternaires comme ça à travers toute la tradition qui témoigne que les anciens avaient une vision tripartite du monde. Donc au niveau du macrocosme, on pourrait dire que c'est le ciel, le monde intermédiaire et la terre. Et au niveau du microcosme, donc au niveau humain, ça correspond analogiquement au corps, à l'âme et à l'esprit. On retrouve encore cette perspective traditionnelle, hein, c'est incroyable. Hein. Dans la perspective traditionnelle, il y a toujours une analogie entre le haut et le bas. Le bas reflète le haut. Le microcosme reflète le macrocosme. Il y a une analogie constitutive entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, on pourrait dire. Et c'est ainsi que les anciens percevaient les choses et le monde, et vivait que l'ensemble de la société est articulé autour de cette vision du monde, on pourrait dire. Tout à fait. Et là, moi, je vous avais parlé, alors moi, ça me fait penser à ça, peut-être qu'il y en aurait d'autres qui penseraient à ça, qui nous écoutent,
Ça me fait penser au Shiva Lingam, que tu as gentiment retrouvé le nom, parce que je l'avais perdu, qu'on retrouve en Inde, sur certains, sur un site incroyable en Inde. Moi, ça me fait penser à ça. Voilà, ça fait un peu penser au Shiva Lingam qu'on retrouve en Inde, sauf qu'ici, il n'y a pas justement cette petite partie qui ressemble à un phallus dans le Shiva Lingam. Ici, on retrouve plutôt seulement la partie féminine, on va dire, qui ressemble un peu à peut-être à un utérus, on pourrait dire. Ouais. Je pense qu'en Inde, on appelle ça un yoni. Oh ouais. Et là, du coup, on n'a pas le droit de s'approcher. Là, on a des barrières pour interdit de s'approcher, ce qui est bien. Hein. Donc, on voit de loin, on dirait une petite voûte au-dessus, là. Une petite voûte, non? Oui, tout à fait. C'est peut-être lié également à l'utilisation de l'eau dans le cadre de rituels d'initiation ou aussi de pratiques divinatoires, on pourrait dire. Hein. Je te rejoins totalement. Les Incas étaient de toutes les civilisations traditionnelles d'ailleurs étaient de grands observateurs du cosmos et des planètes, des étoiles, etc. Il y avait tous des rituels qu'on ne connaît plus aujourd'hui et qui étaient certainement pratiqués durant l'Antiquité et certainement également à des périodes encore beaucoup plus anciennes que ce qu'on appelle l'Antiquité classique entre guillemets. À signaler que les envahisseurs espagnols et portugais ont effacé la plus grande partie de l'histoire de ces peuples. Hein. Les codex ont été brûlés ou détruits, donc il ne reste plus grand-chose. Malheureusement, une grande partie est à jamais perdue, voilà, ce qui est bien dommage. Donc si tu veux avancer un petit peu, Laurent. Oui. Photo d'un mur de qualité, je dirais, moyenne. Alors, c'est le mur de pierre ajusté avec précision à Machu Picchu. Donc, ça, c'est pour eux, c'est un mur de pierre ajusté à la précision. Je préférais l'autre au début. Coup, hein. Ben pour le coup, il y en a qui sont mieux ajustés que celui-là, effectivement. Bah oui. Disons que celui-là. Vas-y. Oui, disons que celui-là, il est quand même d'une assez belle facture. Par rapport à d'autres murs Inca où ils ont par exemple utilisé une sorte de ciment. Ouais, puis je trouve que c'est pareil, c'est un beau dessin, je sais pas, je trouve que c'est beau. Et puis ça résiste au temps, apparemment, ça résiste à tous les séismes, à la fois beau et résistant. On voit que le bas du mur est constitué de blocs polygonaux, hein, quand même, c'est-à-dire des blocs avec plusieurs côtés. Ouais, 5 côtés, des fois, c'est vraiment impressionnant. 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est vrai qu'il y a des murs encore beaucoup plus impressionnants que celui-là. Oui, tout à fait. Allez, si tu veux avancer, Laurent. Ouais. Donc là, on revoit le temple du soleil. Toujours le temple du soleil qu'on a vu tout à l'heure. Elle est belle cette photo. Hein. Je crois que vous avez pris la même photo tous les deux. Oui, j'ai pratiquement exactement la même photo que toi, Laurent. Elle est vraiment… Et je te félicite, Laurent, parce que je ne sais pas comment tu as fait, mais il y a quasiment personne sur tes photos. Tu as réussi à prendre la photo sans qu'il y ait un touriste dessus. Ah oui, ça n'a pas dû être facile. Non, gros challenge. Ouais. Exactement. Ah ouais. Moi, ce que je fais en France, je vais très, très tôt sur les sites sacrés. Je suis le premier arrivé pour prendre les photos sans touriste. Et vers 11h30 midi, c'est foutu. Hein. Là, tu peux plus rien faire. Mais là, bravo Laurent, je te félicite. Hein. Faut être patient. Gros challenge. Hein. Ouais. Vas-y, avance si tu veux. Bon, bah là, on revoit la terrasse. C'est ma dernière photo du Machu Picchu. Ok, donc là, on a, on va dire, une réalisation récente. Hein. Voilà. Alors, moi je vais un petit peu compléter tes photos. J'ai trouvé quelques trucs sur Internet. Donc, bouge pas, je vais aller chercher les photos, je vais garder les tiennes à l'écran. On va passer la magie de… Alors ça s'appelle, cette beauté s'appelle… Le temple des trois portes. Bien joué. Non, le temple des trois fenêtres. Les trois fenêtres.
Voilà, on rejoint encore le ternaire, comme on disait tout à l'heure. Donc, eux aussi étaient, voilà, avaient reconnu, comme tu disais, les trois degrés, les trois mondes, tout le ternaire, quoi. Ils étaient déjà ancrés aussi, voilà, ils avaient les mêmes, un peu, eu les mêmes principes, on peut dire, sans se connaître. Oui, tout à fait, on retrouve ce symbole du ternaire, donc du chiffre 3, encodé de différentes manières dans l'architecture sacrée depuis l'aube de l'humanité, même encore dans les églises et les mosquées, etc. de notre époque, on retrouve encore ce chiffre 3 très fréquemment. Il y a des chiffres qu'on retrouve très fréquemment dans l'architecture sacrée, comme le chiffre 3, le chiffre 7, voilà. C'est encore le chiffre 3, c'est un symbole d'équilibre. On va dire la fenêtre centrale symbolise l'équilibre et les fenêtres latérales symbolisent la dualité. Et au fait, dans le principe initiatique, il s'agit d'équilibrer les opposés pour les dépasser et retourner dans un état d'unité, on va dire. Tout à fait. Et moi, je serais archéologue. Connaissant quand même l'histoire du monde, hein, pour moi, ça me frapperait de voir un temple avec trois fenêtres. Je penserais aux églises, comme tu disais, où on voit souvent dans des grottes en France ou même ailleurs dans le monde, trois portes. Et tout de suite, je dirais que c'est un site sacré. Enfin, pour moi, ça me paraîtrait une évidence. Oui, mais la plupart des chercheurs modernes n'ont vraiment pas beaucoup de connaissances en matière de symbolisme. Et donc, ils passent vraiment à côté de beaucoup de choses. Oui, on peut les inviter à lire les auteurs pérennialistes, hein, s'ils sont ouverts à la discussion. Donc, je vais passer sur une autre photo. Alors, je vais quitter Alors, celle-là, elle est absolument fantastique. Moi, c'est ma préférée, hein, je ne vous cache pas. C'est le bloc de l'âge d'argent avec trois escaliers. Enfin, trois marches d'escalier, officiellement bien sûr une pierre à sacrifice, hein, parce que quand on entend les sites sacrés, c'est soit des tombes, soit des pierres à sacrifice, ou soit le hasard, comme j'ai entendu dans une des conférences là, que j'ai été voir avec Éric Le Saint, voilà, il a bien saisi le truc quand même, je trouve que c'était plutôt rigolo, mais tellement vrai. Donc là, officiellement, c'est une pierre à sacrifice. Hein. Est-ce que toi, Grégory, tu veux en dire plus ou Laurent ? Grégory ? Oui, alors le sacrifice, effectivement, c'est aussi un enseignement qu'on retrouve enseigné dans toutes les traditions du monde, où le sacrifice, du moins à l'origine, consiste en une sacrification de l'ego. Et ce n'est pas un sacrifice matériel, on va dire. Mais il se peut qu'au cours du temps, vu que les enseignements initiatiques ont été de moins en moins bien compris, le sacrifice a de plus en plus consisté en un sacrifice extérieur, on pourrait dire, où on sacrifiait peut-être des animaux ou peut-être même des gens. Mais à la base, la doctrine du sacrifice, c'est donc un enseignement qui nous dit que pour retourner vers Dieu, il faut être capable de sacrifier son ego. L'ego, on l'appelle le moi, et l'intellect ou l'esprit, on l'appelle le soi. Donc, pour retrouver sa véritable identité, qui est le soi avec un grand S, il faut sacrifier le moi inférieur. Il faut se dépasser soi-même, on pourrait dire, se sacrifier son ego pour retrouver notre état d'être paradisiaque originel. Ça, c'est la doctrine du sacrifice originel. Et les sacrifices, tels qu'ils ont été pratiqués certainement à des époques de décadence par le passé, résultent d'une mécompréhension de cette doctrine originelle du sacrifice. Ouais, ils ne comprenaient plus, en fait... voilà, pour eux, sacrifice, ça devenait un sacrifice réel et ils n'avaient plus la notion de sacrifice de soi, quoi, plus spirituel. Oui, je pense que là, ouais.
la perte des connaissances initiatiques, on pourrait dire que c'est une extériorisation des choses. L'homme recherche des réponses à l'extérieur de lui-même plutôt que d'essayer de les retrouver à l'intérieur de lui-même. Voilà, mais on est d'accord, Grégory, que quand on voit ce genre de vestiges de l'âge d'argent, on va dire que c'est plus pour méditer que pour tuer un poulet ou une femme ou un enfant. Oui, moi je pense que c'est principalement des grands principes métaphysiques ou initiatiques qui sont encodés dans l'architecture pour rappeler aux hommes ce qu'il faut faire pour retourner au paradis, entre guillemets. Voilà, puis là on a aussi le symbole du ternaire encore qu'on retrouve encodé dans ce bloc qui s'appelle, alors je crois que j'ai le nom. Effectivement, il y a trois marches. Voilà, c'est la pierre funéraire. Voilà, donc même pas pierre à sacrifice, c'est pierre funéraire. Donc là, pour moi, je pense que c'est plus, c'est une explication plus récente, plus moderne. Alors, je continue sur les photos. Hein. Donc, ce temple-là, on peut en dire deux, trois mots. C'est le temple central. Hein. C'est pareil, c'est une merveille. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être là que tu as pris tes premières photos, Laurent. Oui, je pense aussi. Et on a encore des fenêtres, à mon avis, qui sont symboliques, là, Grégory. De toute façon, tout est symbolique. Ce n'est pas compliqué. Tout à fait. Donc pour là, le langage des peuples traditionnels et donc des bâtisseurs de cette architecture était un langage symbolique. Et ils ont encodé des symboles parmi toute l'architecture. Et le symbole, c'est une aide qui permet aux hommes de revenir vers Dieu, entre guillemets, on pourrait dire ça ainsi. Et c'est ce qui est incroyable quand on lit justement les auteurs pérennialistes et qu'on commence à comprendre. Hein. On ne regarde plus les vestiges du passé, pareil, aussi bien dans une église hein, que sur un temple comme ça, on n'a plus du tout la même vision de l'édifice. Quoi. C'est comme disait tout à l'heure Laurent, quand il y a été la première fois, il n'était pas aussi sensibilisé. Maintenant, je pense qu'il n'aurait plus la même vision. Je ne dis pas de bêtises, hein, Laurent. Oui, complètement. Hein, complètement. J'ai très envie de retourner au Pérou avec un œil nouveau. C'est incroyable, hein, le changement de paradigme. Quoi. Il y a un mur, pour moi, il y a un mur qui est tombé. On pourrait dire que les modernes, la mentalité moderne plus exactement, a une vision plus horizontale des choses. Elle a perdu le sens vertical qui le relie à l'origine du monde, et à notre origine, à l'origine de l'être humain. Tandis que les anciens n'avaient pas perdu cette verticalité, ils n'avaient pas oublié leur origine divine. Seul l'homme moderne a commencé à oublier son origine divine, et c'est pour ça que beaucoup d'archéologues et de chercheurs modernes attribuent souvent à ces vestiges de simples fonctions utilitaires ou matérielles, sans y voir qu'il s'agit en fait de sanctuaires. Tout à fait. Tout à fait, c'est exactement moi ce que je ressens, hein, ce que tu dis, c'est vraiment totalement ce que je ressens. Alors, je vais vous mettre une autre pierre. Alors, cette pierre-là, je ne vais pas m'attarder, mais c'est apparemment une pierre sacrée, voilà, donc très importante. Alors, je ne sais pas pourquoi ils l'ont déclarée sacrée, mais en tout cas, elle est sacrée. Donc, ça, c'est un petit bloc. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, celui-là, ou vous êtes passé à côté sans... Bon, je suis passé à côté sans l'avoir, très certainement. Ouais, moi, j'aurais fait pareil, hein, je pense, Laurent. On a ici le temple du Condor. Donc ça, c'est pareil, on voit bien les différentes. D'ailleurs, on se croirait dans les grottes de Calès, hein, en France. Je ne sais pas si ça vous fait cette impression, les parois. Vous avez été tous les deux aux grottes de Calès? Pas toi, Laurent, je ne sais plus moi, si tu as été. Ça, c'est vraiment un site extraordinaire. Et Grégory, je crois que tu as été, toi. Non, je n'ai pas été. Par contre, j'ai récemment fait une émission sur ma chaîne avec Jean-Baptiste de la chaîne Babin the World, qui, lui, a visité ce site-là et qui a fait une très belle vidéo. Donc, je vous recommande d'aller voir la vidéo de l'exploration du site de Calès sur la chaîne Babin the World.
Et effectivement, le site des grottes de Calès, moi, c'est un de mes sites préférés, du moins en France. On retrouve vraiment une architecture troglodytique avec beaucoup de cavernes, contrairement au Pérou, où on retrouve finalement assez peu de cavernes, voire pas du tout. Il y a des cavernes troglodytiques beaucoup plus impressionnantes en France que ce qu'on trouve au Pérou. Au Pérou, c'est plutôt des masses rocheuses, des pleines masses rocheuses sur lesquelles on trouve souvent des niches, tandis que l'architecture troglodytique en Europe est constituée de beaucoup plus de cavernes, et etc., choses qu'on trouve beaucoup moins ou même pas du tout au Pérou. D'accord. Alors c'est vrai que comme je ne connais pas du tout le Pérou, je ne peux pas. Alors ici, on a le temple de la Lune. Alors je pense que peut-être que vous êtes passé à côté. Grégory, tu me disais que tu n'y avais pas été. Laurent, Si, peut-être? j'y suis Tu as allé, c'est été? là. Oui. Ouais. Donc c'est impressionnant ça aussi. Ça, c'est carrément. On a encore un vestige. Alors on ne le voit pas bien là à l'écran. J'ai peut-être une autre photo plus. Plus parlante. Alors attendez, je regarde. Ce Oui, qui est ça vraiment c'est. impressionnant, je trouve, c'est de observer ces vestiges et de les analyser en comprenant justement qu'il y a plusieurs styles d'architecture et que les styles en bloc sont posés par-dessus ou autour des restes de vestiges beaucoup plus anciens. Comme on voit ici par exemple à l'image, le morceau qui est au milieu, là pour moi, c'est un vestige Anan Pacha, donc du premier monde, donc de l'âge d'argent. Et par derrière sont venus s'ajouter par la suite à des époques ultérieures. Des vestiges, soit Inca, soit pré-Inca. À Tout mon à avis, fait d'accord. c'est Ouais. plutôt des vestiges cellulaires Inca ici, avec une nouvelle fois le symbole de la porte et du ternaire là aussi. Et du coup, c'est vraiment que du symbolique. Il n'y a pas de pièces derrière les portes. C'est vraiment que des portes symboliques. Derrière la porte, c'est l'autre monde. Exactement. Exactement. Et on a l'impression d'ailleurs que le bâtiment soutient une planète. Moi, ça me donne cette impression, hein. Mon esprit matérialiste voit ça comme si il y avait une planète au-dessus, quoi. D'ailleurs, c'est le temple de la Lune, hein, mais je pense que ça n'a rien à voir. Et toi, Laurent, tu l'as vu cet endroit ou pas? Non, non, ça ne me dit rien. Oh, c'est un petit peu plus loin que le Machu Picchu, hein. Je pense qu'il faut remonter une montagne pour aller là, non? Grégory, Oui, c'est peut-être possible. tu te rappelles? Ben, je pense que c'est dans les alentours vraiment du site principal de Machu Picchu, mais c'est une zone beaucoup moins connue des touristes, quoi, on va dire. C'est beaucoup moins touristique, oui. Alors, Mais c'est hallucinant. je ne l'ai pas visité non plus, mais j'ai déjà aussi vu des photos de sites autour du Machu Picchu qui sont très impressionnants et qui sont beaucoup moins visités par la foule, on va dire. D'accord. Et alors là, moi, je m'arrête là-dessus parce que je ne sais pas si vous l'avez vu ça dans votre petite visite, mais c'est deux bassins sur le sol qu'on retrouve souvent. Alors moi, je trouve souvent ça en France. Alors, j'en ai trouvé des petits bassins comme ça en Bretagne, j'en ai trouvé en Dordogne, voilà. Donc moi, ça m'a interpellé un peu, hein. Alors officiellement, c'est pour regarder le soleil. C'est-à-dire qu'on regarde le soleil dans l'eau qui se reflète pour pas s'abîmer les yeux. Ça, c'est la version officielle. Ça s'appelle le miroir d'eau. Est-ce que ça vous parle ou pas de l'avoir vu ça? Non, Moi, je pas du pense, tout. oui, moi je l'ai vu et je pense qu'on peut y voir des réalisations qui ont été faites à une époque où l'humanité pratiquait des rituels, on pourrait dire en quelque sorte magiques ou plutôt divinatoires. Ils voyaient en effet dans l'eau le présage de l'avenir ou peut-être du passé, etc. Ils arrivaient à voir dans le reflet, à obtenir des réponses sur l'homme, sur le monde, sur l'avenir, etc. Ce sont des sciences qui étaient pratiquées par les anciennes civilisations qui se sont perdues aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'eau peut renvoyer également au symbole du miroir, qui est un parfait symbole pour exprimer ce qu'est le monde et la différence entre
le monde de l'illusion, on pourrait dire, et la réalité avec un grand R. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis resté là-dessus parce que j'avais pas cité au Machu Picchu et j'ai trouvé ça, en fouinant un peu là, les photos sur Internet, j'ai trouvé ça incroyable. Alors là, je pense qu'on est sur du vestige aussi de l'âge d'argent sur ce genre de réalisation dans une pleine masse rocheuse. Hein. Je pense que tu es d'accord. Oui, on retrouve abondamment dans ces vestiges le fait que on est utilisé de l'eau. Hein. Il y a des petits bassins, des petites rigoles aussi, comme on trouve aussi sur l'architecture troglodytique dans beaucoup d'autres régions du monde. Tous ces vestiges troglodytiques sont étroitement liés avec l'utilisation de l'eau dans le cadre de rituels d'initiation ou de rituels de divination. Tout à fait. Et alors là, la dernière photo là, que j'avais récupérée sur Internet, on est vraiment officiellement, ils appellent ça la pyramide d'Intihuatana. Donc là, on est vraiment sur une pyramide, quoi. On est encore sur le symbolisme de la montagne, sur le symbolisme de la pyramide à degrés. Hein. Moi, je ne crois pas trop à l'explication des terrasses pour cultiver là-dessus. Hein. C'est toujours un symbole de l'axe du monde et aussi de la hiérarchie qui constitue le cosmos. Au plus on se rapproche du sommet, au plus on se rapproche de la qualité et de l'esprit, et au plus on s'en éloigne, au plus on tombe dans le monde matériel. C'est aussi, les anciens voyaient aussi le monde comme des degrés qualitatifs, des degrés hiérarchiques qualitatifs qui s'étendent du plus subtil au plus grossier. Et c'est le symbole de la pyramide à étage. Ouais, du bas en haut, la qualité elle est en haut et le grossier en bas, quoi. Tout à fait, hein, si je ne dis pas de bêtises, Grégory. C'est bien alors, ça. Alors là, maintenant, on va s'éloigner un petit peu, on va prendre de la hauteur, comme on dit. Je vais montrer un plan. Alors, on ne va pas voir grand-chose parce que malheureusement, c'est un plan en PDF. Mais le Machu Picchu, il est à gauche et on a sur 25 km. Toute une rangée de sites. Et alors là, moi, je suis resté un peu scotché parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de sites. Et du coup, on n'en parle pas du tout dès qu'ils font des reportages sur le Machu Picchu. Mais tout autour, c'est criblé de sites, dont certains portent des noms quand même assez intéressants. Donc, il y a la Lintipunku Sungate, donc la porte du soleil. Il y a une deuxième porte du soleil qu'on voit en haut à gauche, là. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais la mettre en plus grand parce que j'ai pris des photos. Alors, attendez, bougez pas. Je pense que ça va être plus facile comme ça. Voilà. Est-ce que vous la voyez mieux comme ça? Alors, il faut peut-être que je me remette là-dessus. Hop, voilà. Donc ça, c'est le premier temple. Est-ce que vous avez vu ça en passant ou pas du tout? Non, moi, je ne l'ai pas visité, mais je connais la photo. Donc ça, c'est le temple, c'est une porte du soleil qui est, à mon avis, je pense que c'est un vestige inca. Hein. Et en fait, jusqu'au Machu Picchu, c'est criblé de sites comme ça qui ne sont pas connus du tout du grand public. Alors, je vais vous en montrer un deuxième hein, qui est assez impressionnant. Alors, je ne sais plus trop les noms, hein, mais bon, je pourrais les retrouver. Mais alors, on a plusieurs sites qui jalonnent le chemin du Machu Picchu et qui suivent un peu le cours d'eau. Hein. Je vais vous en montrer un autre. Là, on voit bien que c'est des vestiges avec des petites pierres, hein, donc sans doute un cas. Donc, tout ça, vous êtes passé à côté, vous l'avez pas vu tout ça? Non, je n'ai pas été visiter autant de sites. J'ai visité les sites principaux et les plus connus, mais effectivement, il y a des dizaines, voire des centaines de sites Inca dans tout le Pérou. Ouais, ouais. Et du coup, je pense que dans ces sites, les gens font pas attention, et je pense qu'on n'a pas le droit d'y aller, qu'il faut un guide pour aller dans ce genre de site. Parce que je crois que c'est la route Inca. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, je pense qu'on pourrait retrouver des vestiges de l'âge d'argent dans ce genre de sites qui ne sont pas forcément connus, qu'on ne trouve pas sur Internet. Voilà. Donc, si quelqu'un part au Pérou
et qui veut faire le curieux, bah, qu'il n'hésite pas à nous faire partager tout ça. Donc il y a beaucoup de sites. Je ne les ai pas tous mis, hein. Je vous ai mis là, il y en a 8, mais je pense qu'il y en a une bonne dizaine et qui ont l'air quand même assez impressionnants. Hein. Voilà. Peut-être pas aussi impressionnants que le Machu Picchu, mais ils valent quand même la peine. Et pas loin non plus de tous ces sites, on a bien sûr le fameux, alors je vais dire le nom, c'est le Nopa Iglesia, qu'on voit souvent sur Internet. Je ne sais pas si, je pense que vous le connaissez tous les deux. Oui, oui. C'est pareil, hein, c'est du vestige de l'art d'argent, de l'âge d'argent, et on voit autour quand même qu'il a été aménagé avec des parties sans doute inca. Alors moi, je trouve ce site incroyable. On retrouve encore le symbole du ternaire, hein, nouvelle fois, le chiffre 3, avec le symbole de l'escalier aussi, et de la porte. La porte symbolique, et on... Alors, j'ai pas pris des photos, là pour le coup, je crois que j'ai pas pris de photos du site plus grande, mais on voit bien, pareil, que c'est réalisé, c'est vraiment super bien fait, taillé dans la plaine Mastro du Rocher, et c'est impressionnant. Hein. Et au fait, sur ces vestiges troglodytiques, bien souvent, et même la plupart du temps, on ne voit absolument aucune marque de burinage. Tout à fait. Et c'est vrai que ça rejoindrait un peu ce que tu dis souvent, un peu l'effet pâte à modeler qu'on retrouve un peu partout dans le monde, hein, même en France. Oui. Hein. Si on reprend un peu les explications qu'a donné René Guénon dans son chapitre « La solidification du monde », on peut se dire que par le passé, la matière aurait été plus malléable qu'aujourd'hui. Le monde aurait été plus proche de l'esprit, donc plus proche d'un monde subtil, et que l'humanité de cette époque avait elle aussi des capacités qui dépassent les capacités de l'homme moderne et de ses machines et de ses outils pour travailler la pierre. On pourrait dire qu'il travaillait la pierre beaucoup plus facilement qu'on ne peut la travailler à notre époque. Tout à fait, Grégory. Alors là, si comme on avait dit, est-ce qu'on... On bifurque sur les choulpas pour finir. Grégory et Laurent, ça vous va? Rapidement alors. Ouais, rapidement. On va essayer de passer. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, mais alors là, Laurent, on te laisse un peu définir ton arrivée sur le site. Oui, bah c'est un endroit assez paradisiaque avec très peu de touristes et un très beau lac. Juste à côté. Donc pas trop fréquenté alors. Hein, c'est, Vous voyez, on voit. Non, vraiment pas trop fréquenté. Très très calme. Très calme. Très agréable comme endroit. Et donc on finit par tomber sur ces fameuses tours. Ces choulpas qui sont pareil, impressionnants. Hein. Donc on a le symbolisme de l'axe, hein, Grégory. Oui, on retrouve cet aspect d'axe du monde, de verticalité. Ça pourrait très bien être des tombes, mais peut-être pas seulement des tombes sépulcrales, peut-être des tombes symboliques et initiatiques, du moins à l'origine, et peut-être que par la suite, elles sont devenues de tombes sépulcrales, ça c'est pas facile à déterminer. Et alors, des chulpas, on en trouve des circulaires et également des carrés. Oui. Oui, j'en avais vu des carrés aussi au Pérou. D'accord, j'ai pas vu. Vas-y, avance, Laurent. Là, on voit un peu l'intérieur, hein, c'est quand même intéressant. Ouais. Ça nous donne une idée de comment ça a été construit. Alors, est-ce que l'intérieur date et d'époque ou est-ce que ça a été rajouté par la suite? Je ne sais pas. Moi, sur ce site-là, je pense que c'est sur ce site-là, j'avais vu... des constructions par derrière un chulpas, et ils nous expliquent que c'est comme ça qu'ils ont construit les chulpas, mais j'ai l'impression que ces constructions qui ont été réalisées par après sont des constructions assez récentes pour nous faire croire que les chulpas ont été réalisés de cette façon-là, mais je trouvais que l'explication n'était pas véritablement très intéressante, quoi. C'est plutôt
une fausse explication de la manière dont aurait été construite cette chulpas. Ils avaient construit comme une sorte de mur en escalier où ils nous expliquent que les blocs étaient d'abord montés par ce mur en escalier et ensuite qu'ils auraient enlevé cette construction pour ne laisser que les chulpas. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus mystérieux que ça. Ces blocs-là ressemblent effectivement à l'architecture du Second Monde, avec des blocs souvent de grande taille et souvent ajustés à la perfection, avec des marques pâte à modeler dedans aussi. Ça pourrait être, ça, certains chulpas, peut-être pas tous, pourraient être pré-Inca. Ouais, moi je te rejoins totalement sur ça. Je suis pas convaincu de l'explication officielle. Là, on peut voir l'ajustement vraiment impeccable. Et ils ont quand même réussi, tu disais qu'il y avait un tag en haut, c'est ça? Ils avaient tagué le monument, non? Non, je ne sais pas, non. Non. Par contre, ce qu'on retrouve souvent sur les chulpas, c'est le symbole du félin et aussi celui du serpent, par exemple, qui sont des symboles qu'on retrouve dans la mythologie et dans la symbolique de toutes les civilisations traditionnelles. Ah ouais, bah oui, tout à fait. Vas-y, Laurent. Alors, il y a une ouverture sur le bas, donc à quoi elle pourrait servir? Ah, c'est symbolique encore, hein. Oui, moi je pense que c'est le symbole de la portée étroite. Hein. Oh ouais. On pourrait dire que le chemin qui mène vers la vérité, c'est un chemin difficile et il faut se soumettre, on va dire, chercher le droit chemin. Et la porte que l'on doit emprunter n'est pas une large porte qui est facile à emprunter, mais c'est au contraire une porte étroite. Et ces portes étroites qu'on retrouve dans cette architecture, mais aussi bien souvent dans l'architecture troglodytique, pourraient fort bien symboliser cette difficulté de rester dans le droit chemin pour s'élever spirituellement, on pourrait dire. Tout à fait, c'est le trou d'une aiguille. Hein. Oui, comme le chat de l'aiguille, oui. Exactement. Vas-y, Laurent. Voilà, ce sont des restes. Oui, voilà, c'est. Ils sont vraiment très abîmés. Hein. Voilà, les villageois se sont fait plaisir, on va dire, comme en France. Hein. Ils ont dû se servir pour faire les maisons. Voilà. Enfin, malheureusement, c'est ce qui risque d'arriver sur pas mal de sites dans le monde, hein, que petit à petit. Vu qu'on ne reconnaît pas leur caractère sacré, ils sont négligés, voire pillés ou détruits. Ah, c'est malheureux. Hein. Vas-y. Voilà, encore un reste. T'as pas trouvé les petits symboles gravés sur les chulpas, non? Peut-être que je les ai vus, mais je les ai pas pris en photo. Là, on voit que certains blocs sont polygonaux, hein, toujours. Ouais. Impressionnant. Hein. Vas-y. Et il résiste autant. Tu voulais voir ça, c'est l'aventurier. Hein. Te donner une idée de la taille des chulpas par rapport. Et il manque un gros morceau au-dessus, donc on peut imaginer. Oui, elle n'est pas complète. Le bloc au-dessus de toi, là, il est déjà impressionnant. Hein. Ouais. Oh, ce n'est pas la taille des blocs de des plus gros blocs de la muraille de Sacsayhuaman à Cusco, mais on se rapproche tout doucement là quand même. Tout à fait. Ah, c'est une merveille. Hein. Ah bah ça y est. Bon. Et on revient. Alors attends, je vais mettre la photo. Ben voilà, on a terminé ce petit tour du Pérou. C'était bien sympathique, hein. Voilà, on a 1h40, voilà, on s'est pas pressé, c'était super. Merci Grégory, hein, pour tes explications
très très intéressante et merci pour l'invitation. Ah ben non, c'est un vrai plaisir de t'avoir pour la première, hein. C'est un honneur et tu sais comme tu as influencé le cours de mes lectures. Oui, moi vraiment le message essentiel que je voudrais livrer, c'est d'essayer d'acquérir une vision symboliste sur ces vestiges, et pour ça il faut un petit peu lire justement ces auteurs pérennialistes qui ont beaucoup expliqué les connaissances des anciennes civilisations. Et comme je vous le disais, c'est par la compréhension pré-moderne de ce qu'est un symbole qu'on va pouvoir s'approcher au mieux de la vérité sur ces vestiges et sur notre passé et sur ce qu'est le monde, etc. C'est vraiment des connaissances qui dépassent totalement les connaissances de la science moderne. Oui, et on peut, enfin, c'est vrai qu'on se dit toujours, avant de découvrir ce nouveau monde, hein, on est quand même beaucoup dans la matérialité, on est centré sur tout ce qui est l'aspect matériel des choses, et en fait, ça permet de se connaître mieux, plein de choses. Ça ouvre la porte à plein de choses, comme on parlait beaucoup de portes symboliques, oui. Mais c'est un nouveau monde qu'on découvre, et voilà, c'est vraiment... Effectivement, on pourrait dire que les sciences sacrées ouvrent la porte sur l'infini, hein. Donc effectivement, ça ouvre une multitude de portes, et de meilleure compréhension de notre passé, sur le monde, sur nous-mêmes, etc. Des choses que malgré sa précision dans certains domaines, la science moderne n'est absolument pas capable de nous apporter. Tout à fait. Et du coup, j'espère qu'on pourra refaire avec toi des vidéos sur les sites en France, parce que bon... là, le Machu Picchu, on va dire que c'était un bon alibi pour commencer cette première série, mais voilà, on espère que tu nous rejoindras pour les prochains sites qu'on présentera. Surtout que ce sera des sites pas connus du tout, sans doute autour de Paris, et très impressionnants, et dont tu pourras bien sûr nous livrer ta vision traditionnelle de tous ces sites, quoi. Ça, avec grand plaisir, hein, j'apprécie beaucoup de voir qu'il y a encore des personnes comme toi et comme Laurent qui est des hommes de terrain, comme le disait Laurent tout à l'heure, et qu'il aime beaucoup être sur les sites, etc. Et moi aussi, malgré le fait d'avoir acquis certaines connaissances dans ce domaine, dans la science sacrée, les choses que j'apprécie le plus, c'est comme vous, d'être directement sur les sites. C'est là qu'on peut vraiment ressentir les plus belles choses. C'est un régal. Et du coup, peut-être faire une petite publicité pour le prochain live que tu fais avec Jean-Baptiste. Alors moi, oui, le prochain live qui est prévu sur ma chaîne, ce sera le lundi 25 avril à 20h. Pour la suite d'une série d'émissions que j'ai intitulée Tour de France de l'architecture troglodytique, et je recevrai pour la seconde fois Jean-Baptiste de la chaîne Babine the World, qui continuera à nous présenter des photos de ses visites de vestiges troglodytiques dans le sud de la France. Et j'espère qu'à la fin de cette émission, j'aurai un petit peu de temps pour faire un petit tour du monde de l'architecture troglodytique, pour essayer de mettre en évidence toutes les similarités qu'on peut retrouver dans ce type d'architecture. Tout à fait. Et alors nous, on se verra avec Pierre-Yves Lenoble aussi et toi pour un live le 9 mai. Le 9 mai, c'est ça. Donc le 9 mai, je te retrouve sur ma chaîne et tu nous présenteras des photos des sites troglodytiques que tu as visités en Dordogne, avec notamment l'incroyable site de la roque Saint-Christophe, hein, qui est un site qui fait plus d'un kilomètre, un rocher qui fait plus d'un kilomètre de haut et de 80 mètres de hauteur, qui serait un des plus grands sites, ou le plus grand site troglodytique d'Europe.
Et le scandale absolu, c'est que la partie la plus intéressante est interdite au public. Et j'ai eu la chance d'avoir le jardinier du site qui a bien voulu me prendre des photos dans les endroits interdits. Et alors, je lui ai fait confiance, hein, je lui ai laissé mon portable et il est bien revenu avec et il m'a pris des super photos. Donc, ça sera des photos inédites hein, où il y a pas mal d'escaliers symboliques, beaucoup de symboles au mur, sur les parois. Donc, voilà, c'est vraiment un super site. Hein, la Dordogne, de toute façon, c'est du très, 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 très beau site troglodytique. Ça, il n'y a pas de problème. Et là, on va vraiment être en pleine fake story, comme dirait Pierre-Yves Lenoble, parce qu'on voit que dans ces vestiges où ont été mis des espèces de bonhommes de Cro-Magnon en plastique, etc., pour essayer de nous faire croire que tous ces vestiges auraient été réalisés par des hommes vêtus de peau de bête et outillés de pierre en silex. Ouais, et là, je fais de la publicité. Laurent, si tu as un petit peu de temps, écoute le Fake Story numéro 10 de Pierre-Yves Lenoble avec le bouc émissaire sur les dinosaures. C'est un régal. Hein. Ça m'a fait ma journée. Hein. C'est extraordinaire. Super. Je regarderai. Oh ouais, franchement, je t'enverrai le lien. Mais c'est très, très intéressant. Hein. Ça remet en cause pas mal de choses. J'espère qu'un jour, on pourra se croiser quelque part sur un site tous les trois, hein, ces quatre en France ou en Allemagne. On te dira les dates, mais on a rajouté 2 jours. Donc, il y aura 4 jours si jamais on peut se faire une petite visite ensemble. Ça serait vraiment avec grand plaisir. Pour le moment, c'est un peu compliqué pour moi, mais je ne désespère pas qu'un jour, j'aurai un peu plus facile à nouveau de faire des explorations et tout ça, et on pourrait aller visiter quelques sites ensemble, ce serait vraiment super. Avec grand plaisir, Grégory, avec grand plaisir. Et puis, merci à tous les deux pour être restés aussi tardivement. On avait 10 mini live, mais bon, 1h47, c'est bien. Voilà, et puis, bonne nuit à tout le monde. Merci à tous les auditeurs d'être restés si tard. Et à une prochaine vidéo avec Laurent et j'espère aussi Grégory, voilà, et puis d'autres. On a pas mal de projets là avec Tom en Éthiopie, Stéphane en Sicile, Jacques en Suisse. Ça peut être aussi une bonne idée d'émission parce qu'il découvre des choses incroyables en Suisse aussi. Donc voilà, donc plein de projets d'émission. Et j'espère vous retrouver très vite pour un prochain live des anomalies archéologiques et historiques. Voilà. Bonne nuit à tous. Merci. Merci Joël. Merci Grégory. Merci à vous. Et bonne nuit. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. À bientôt. À bientôt. À bientôt.